Soit dit en passant, si tu veux m'aider dans ma démarche, il y a différentes façons de le faire selon ton budget. Alors moi, ce que je te propose, c'est de t'aider en m'aidant. Par exemple, j'ai un lien avec Peeping Rock pour les meilleures vitamines que tu vas avoir sur le marché pour moins cher. Maintenant aussi, je suis en train d'écrire le verbatim de cette série-là que je suis en train de faire. Alors, c'est une autre façon de m'aider en t'aidant, c'est de, si tu as besoin du verbatim, eh bien, il va être écrit. Et puis, le montant n'est pas encore déterminé, mais il va être à la portée de tous. Alors, ça dépendamment du temps que je vais mettre là, à tout écrire. Help. BetterHelp ou quoi tu ne saurais pas, c'est un des meilleurs endroits en ligne que tu peux aller si tu as besoin d'un conseiller ou de quelqu'un avec qui parler. Je sais beaucoup d'entre vous, y compris moi-même, a eu des difficultés dans le passé et dans des situations déplorables. Beaucoup d'entre nous ont du mal à gérer ce problème et c'est là que BetterHelp peut très bien aider. Help. BetterHelp propose des services de conseil en ligne à un prix très abordable. Il y a des accès à des psychologues, des thérapeutes familiaux et maritaux. Ensuite de ça, bien, vous avez des travailleurs sociaux cliniques et des conseillers professionnels agréés, formés et expérimentés. Alors, vous ne manquez pas de personnes capables de vous aider et vous pouvez parler de tout ce qui... ce qui vous pose problème. Tout ce que tu as à faire est d'utiliser BetterHelp en utilisant le lien dans la description de ma vidéo, puis de répondre à quelques questions. Et ceci, ensuite, ça va te mettre en contact avec un conseiller en fonction de ces réponses-là que tu as données. Ensuite, tu es prêt et tu es jumelé avec quelqu'un. Si toutefois t'es pairé avec conseiller dont tu n'aimes pas, tu peux toujours switcher très facilement avec un autre conseiller, tout simplement. Tu vas être jumelé à une autre personne, tout simplement. Alors, ceci étant dit, passons directement à la vidéo. Si tu décides de consulter BetterHelp, veille à utiliser le lien dans la description ou la section du commentaire ci-dessous. Parce que ça supporte ma chaîne et d'ailleurs, je suis en convalescence. Bonjour. Alors, j'ai pensé, malgré que j'étais un peu déçue, j'ai pas tellement de gens souscrits à ma chaîne. C'est pas que je comprends pas. C'est un drôle de village YouTube. Alors, c'est pas parce que t'as pas beaucoup de personnes qui sont souscrites à ta chaîne que ce que tu partages ne veut rien dire. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Ça a à voir que les sujets dont tu parles n'intéressent pas tellement les personnes. C'est ça. Bon, fait que, allons-y. Oui, c'est ça. Il me semble que la musique est un peu forte. Non, c'est pas le moment. Culotte. C'est pas le moment, là. Ok, nous parlons. Alors...
Nos émotions sont liées à notre âme, qui à son tour est attachée à nos personas, à notre personne, entre guillemets. Il faut, en fin de compte, ne pas prendre trop au sérieux notre persona, entre guillemets, notre personne, ainsi que... C'est pas qu'il faut nier nos émotions. C'est juste qu'il faut pas être trop attaché. C'est la différence. C'est ça. Parce que c'est la louche. Je comprends que nous aimons nos parents. Ceci étant dit, ils faisaient partie du problème. Le système est que nous commençons toujours sur une page blanche, tabula rasa à chaque fois qu'on se réincarne. Et bien sûr, c'est un agenda. Parce que si vous commencez avec la page blanche, tabula rasa, vous ferez des erreurs et c'est ainsi que vous apprenez, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire que de faire des erreurs. Bon, le problème, c'est pas de faire des erreurs, c'est qu'on part tabula rasa à chaque fois qu'on se réincarne. Ensuite, les soi-disant anges nous rendent coupables pour les erreurs qu'on fait et nous ramènent ici, dans la troisième dimension, où... Parce que il nous culpabilise à nouveau. Mais ce n'est pas nous qui avons décidé de nous détacher de nos souvenirs, de nos réincarnations précédentes. Les soi-disant anges sont déchus, en réalité. Ce sont les anges déchus qui maintiennent ce système de réincarnation-là et, en fin de compte, ils recyclent nos âmes avec leur arnaque. Donc, le arnaque, c'est non pas les erreurs que nous faisons. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on fait. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'à un niveau supérieur, OK, les anges nous culpabilisent avec les erreurs que nous avons faites pour nous faire réincarner, pour nous utiliser encore pour produire leur louche. Puis, ils sont responsables que... Parce que... Ils sont les... Enfin, OK, je vais dire ça comme ça. Ils sont plus responsables que nous. Des erreurs que nous faisons. Parce que c'est pas nous qui décidons de venir ici dans le 3D avec la table rase, avec la page blanche à chaque fois. C'est eux qui décident ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent nous maintenir dans l'engrenage, puis nous faire revenir à chaque fois, nous culpabiliser à chaque fois. L'ego est ce qui maintient le cycle de la réincarnation. Parce que puis l'ego est attaché à notre personne, entre guillemets. Nous sommes plus que ce que nous apparaissons être dans ce monde. Beaucoup trop de gens se comportent comme s'ils étaient nés pour consommer. C'est certain que le monde ne changera pas tant aussi longtemps que
les gens réalisent pas qu'ils sont beaucoup plus que la personne qui avant de nous incarner ici, nous venions de différents endroits. Ben ça peut être une hypothèse intéressante. Nous pouvons être des anges déchus nous-mêmes. Mais moi, vous dire que ceux qui maintiennent le système de réincarnation en place sont certainement des archanges déchus. Bon. Le contraire de l'ego est l'imagination. Ça, c'est une chose qu'ils font nos parents, puis le système, quand on arrive ici, ils détruisent notre imagination. L'imagination, c'est censé être pas valable. Ben oui, c'est parce que c'est le wild card. L'imagination, c'est le wild card. C'est l'imagination, en fin de compte, qui nous redonne les ailes que nous avons perdues en nous réincarnant ici. Donc, c'est certain que le système ici-bas ne peut pas fonctionner avec notre imagination. C'est pourquoi, plus souvent qu'autrement, on nous fait fonctionner, pour plusieurs d'entre nous, avec seulement le cerveau gauche. Parce que le cerveau droit, c'est fait partie aussi du wild card. Face à l'imagination, l'ego se dissipe. L'ego, c'est comme un ballon à air. C'est comme un ballon soufflé avec du hélium, mettons. C'est tout ce qu'il est, l'ego. Il sert pas à autre chose qu'à participer au système et maintenir le système. C'est pourquoi l'ego est tellement validé et élevé dans ce monde. Plus tu as de l'ego, mieux tu fonctionnes dans ce monde. Mieux tu es intégré. Et moins tu as de l'ego, plus tu as de la difficulté. C'est certain que quand tu as moins d'ego, puis tu comprends ça, la tentation serait de vouloir avoir plus d'ego, bien entendu. Mais est-ce que des personnes comme nous qui voudraient avoir plus d'ego vont, parce que, en fin de compte, tant qu'à être ici, c'est aussi bien de faire notre part pour changer le monde. Donc, si nous tombons dans le piège de vouloir plus d'ego pour nous-mêmes, pour notre petite personne, en fin de compte, on se trouve à aussi faire en sorte que la machine fonctionne bien, ici-bas. Ce qui ne règle pas le problème. Donc, oui, c'est une tentation pour ceux qui prennent conscience de ça, mais ça changerait absolument rien. Ça rempirerait les choses. C'est ça. C'est bien entendu que je suis consciente que c'est pas un discours régulier que je livre. Donc, ne te gêne pas de me poser des questions. Si ce sont des questions pertinentes. Si ce ne sont pas des questions pertinentes, je ne perds pas mon temps. Soit que je laisse plus les gens commenter ou que j'efface tout simplement le commentaire. C'est ma chaîne. Mais s'il y a de quoi qui peut, en fin de compte, aider les personnes à réaliser
leur plein potentiel, ne te gêne surtout pas à commenter. C'est qu'en fin de compte, avant ces cycles de réincarnation-là, que nous nous sommes engagés dans le 3D, nous venions d'ailleurs. Maintenant, contrairement à d'autres personnes, je dis pas n'importe quoi, n'importe comment, puis je prends mon temps de vérifier mes informations avant d'avancer quelque chose. C'est certain qu'il peut y avoir des hypothèses qui peuvent être émises. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que... OK, on va le dire comme ça. C'est que nous avons un « higher self ». Je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle en français, là. Parce que je travaille toujours en anglais. Fait que je vais utiliser l'expression anglaise « higher self ». C'est facile à comprendre de toute façon. C'est en fin de compte le... C'est au-dessus de la conscience, au-dessus du subconscient, au-dessus de la personne. C'est l'étincelle divine que nous avons en nous. Donc, notre étincelle divine se fait marteler le plus possible lorsqu'on arrive dans ce monde. En plus de partir sur une page blanche. Bien entendu, il y a des exceptions. Il y a des enfants qui se rappellent de leur vie précédente. Il y a des preuves de ça sur... En fin de compte, il y a plusieurs preuves de ça sur différents documentaires. Alors, moi j'ai étudié la question et puis j'ai préféré me référer au témoignage des enfants plutôt que le témoignage des adultes parce que les enfants tendent à moins fabuler que les adultes en général. C'est plus pur, mettons. Ça fait que c'est ce qui m'a convaincue. Parce qu'avant ça, je croyais pas à la réincarnation, mais c'est ce qui m'a convaincue. C'est ce qui m'a fait changer d'idée. Ça fait que ce que je suis en train de dire, en fin de compte, ce qui pourrait sauver l'humanité, c'est que chacun d'entre nous réalise que nous sommes beaucoup plus que ce que nous représentons dans ce monde. Sans nécessairement connaître qui nous étions dans nos réincarnations précédentes, il reste que bien avant, dans le temps et l'espace, à un moment donné, on s'est incarné la première fois. C'est certain, ce cycle-là n'est pas ad vitam aeternam. C'est certain qu'à un moment donné, ça a commencé. Puis, avant que nous nous soyons incarnés pour la première fois sur cette terre, nous sommes véritablement, chacun d'entre nous, une étincelle, une représentation de la divinité, du Dieu tout créateur de l'univers ou de la créatrice de l'univers. Je suis pas en train de dire que chacun de nous sommes des dieux. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que nous sommes une représentation chacun d'entre nous de la créatrice ou le créateur de l'univers. Et une autre façon de le dire, c'est que nous sommes une étincelle divine. Chacun d'entre nous. Et puis,
La meilleure façon de savoir ceci, c'est que nous sommes composés, en fin de compte, notre composition est la même que celle des astres, que celle des étoiles. Et, deuxième des choses, nous avons une étincelle dans les yeux, qui, ça aussi, démontre que nous ne sommes pas... Oui, nous sommes partie animale, partie humaine, dans cette incarnation. Et bien entendu que la partie qu'on nourrit le plus, c'est la partie qui est le plus active. Mais il reste que c'est certain que de se rappeler qui nous sommes réellement fait en sorte que on n'a pas besoin d'un gros ego dans ce monde. Puis on n'a pas besoin de plonger la tête baissée dans la consommation. Alors, c'est certain que je ne sais pas si j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Parce que j'essaie d'expliquer en termes le plus simple. Non pas parce que je pense... C'est parce que moi, j'aime rejoindre tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui a un grand vocabulaire. Mais ça fait pas d'eux des personnes non intelligentes. Il y a une différence entre la culture puis l'intelligence. Faut faire la différence, bien entendu. Bien entendu. Fait que c'est cela, en fin de compte. Notre part à nous de maintenir ce système en fonction, c'est l'ego. Plus tu as un gros ego, ben plus tu maintiens le système, c'est sûr. Fait que... Puis t'as pas... Quand tu comprends qui tu es vraiment, bien, en fin de compte, t'as pas besoin d'un gros ego. Et... les êtres vraiment spirituels, dans le sens étymologique du terme, et non pas dans le sens religieux du terme, sont pas très supportés et accueillis dans ce monde. Mais c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Et puis... lorsque nous quittons ce monde, il faut être conscient, avant de le quitter, que les soi-disant anges vont encore pointer nos erreurs pour nous manipuler à se réincarner. Mais on n'est pas obligé de les écouter. On peut leur faire comprendre que on a compris le jeu. C'était, en fin de compte, à eux à ne pas nous mettre à l'état de la tabula rasa, page blanche, à chaque fois qu'on revenait dans cette incarnation. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas responsables de nos actes. Pas du tout. Je suis juste en train de dire que les soi-disant anges sont encore plus responsables que nous en effaçant complètement nos mémoires des réincarnations précédentes.
Alors, je pense d'avoir fait le tour de ce que je voulais partager pour le moment. En te remerciant de ton écoute, si tu t'es rendu jusqu'à la fin. Et puis, encore une fois, les suggestions, commentaires sont bienvenus. Pour, en fin de compte, parce que mon but, moi, c'est, en partageant ceci, c'est, en fin de compte, d'aider les gens à trouver le bonheur. Parce que le bonheur n'est pas dans l'ego, n'est pas dans la consommation et n'est pas dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, bien que nous vivons dans ce monde. Alors voilà, merci pour ton écoute. Que les gens ne voyaient pas ces liens-là. Donc, j'ai décidé de mettre ceci en évidence par ce petit enregistrement que je vais rajouter. Aussi, bien, si tu réalises, disons que quand tu prends la peine d'étudier ma chaîne et d'étudier mes vidéos, tu te rends compte qu'ils sont... Le contenu est d'excellente qualité. Mais la raison pourquoi j'ai créé un lien avec Patreon, qui est aussi inclus après dans ma section About, c'est parce que je veux apprendre à faire une meilleure présentation de vidéos. Mais quand tu es en train de sortir les meubles d'une maison qui brûle, ben c'est pas le moment là, de niaiser sur la présentation. Mais il reste que éventuellement, hein, je veux pouvoir améliorer ma présentation. Et c'est pour ça que j'ai créé le lien Patreon. Hein, fait que, juste pour te le faire savoir. Mais encore une fois, j'aimerais ça que tu prennes considération non seulement de l'effort investi, mais de la qualité de l'information, que ce soit en anglais ou en français, de mes vidéos sur ma chaîne. Parce que je crois que le contenu est beaucoup plus important que la présentation. Mais bien entendu, sur YouTube, c'est pas quelque chose qui attire l'œil tellement. Fait qu'éventuellement, je veux corriger ça. Merci. J'ai oublié de mentionner, et ceci est important de le faire, je fais juste mettre des liens, je fais juste vendre qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui m'a aidé personnellement, et je ne fais pas autrement que ça. Fait que je tenais à te le mentionner aussi.